Allez, chaud. Round 1, fight. Les cours. Alors là, je sais pas qui est un P, 2P. Et je suppose que instant. Alors, comme Abdes a gagné, il a envoyé Justin en loser. Mais comme tout le monde joue chaud, c'est difficile. Mais en tout cas, ça joue. Ça, c'est sûr, ça joue. Oh, il l'a mis stun. Tiens, c'est qui là alors? Justin Wong, il est premier et d'accord, instant et 2P. Voilà, il y a chat. Il y a 0. Il y a 0-0, hein. c'est ça quand on commence, souvent il y a 0-0 au début. Ouais, attention. C'est le bloc du stunt fest, tu commences avec un match d'avance. Oh oui, le cross-up! Bien joué, ça tue! Et instant qui revient après un premier round. Il est là, justement. Où il a travaillé. Vous remarquez donc des persos qui se jouent avec le même mind game. Qui se jouent avec le cœur. C'est quand même un grand jeu, mais bon, c'est le hasard du tournoi. Pour l'instant, avec Instinct qui continue de presser. Justin Wong qui copie, qui sharingan parfaitement les phases de Abdes. Pour l'instant, Instinct. Ah ouais. Et Instinct, la réaction de Justin Wong avec cette furie qui passe à travers tout. Ah et ouais. Wow, il savait ça, mais il le savait pas. Avec Justin Wong qui continue de presser dans le foin avec la dive. Pour l'instant, Instinct qui bloque. Il bloque le casse-garde. Mais c'est pas grave parce qu'on peut faire casse-garde boule avec le saut B qui est totalement unleashed et qui mange. Le flame kick, Justin Wong, pour revenir l'américain. Pour l'instant, il est bien l'américain. Et il prend le round au parisien. Un round partout. Ah, c'est moi, ah bah oui, un round partout. Sauf que là, Justico, il n'a pas de super. Je sais pas, il faut qu'il fasse de la super un peu. Histoire, voilà, c'est bon, là il en a. Y a oh oui, superbe réaction là. Sur le dive kick, le flame kick dans notre. Ah, là il craque un peu son slip tout seul. Il a envoyé la douche écossaise de l'autre bout de l'écran. Je sais pas pourquoi. Allez, il y a Justin Wong qui campe, hein, fidèle à ses valeurs. Il y a tous les joueurs, il est connu pour camper. Mais là quand même, là face à chaud, à un moment faut attaquer. C'est attaquer ou être attaqué. Et là ça paye pas. Et superbe 1-0 là pour l'instant. Bien joué. Alors l'avantage de Breaker, c'est que c'est un jeu, la preuve de Justin Wong, tout le monde peut faire comme Justin Wong et apprendre à jouer à ce jeu en deux jours. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour le prochain tournoi. Tout le monde peut faire pareil. Alors pour l'instant donc quoi. C'est sûr que c'est Instinct qui est en premier. Là, je pense qu'on a inversé les noms, hein. C'est la blague des tournois. Hein. Parce qu'en fait, il y a une image sur la borne et j'ai vu un spot qui était un P. Alors, je ne sais pas. Bon, voilà, ça joue en tout cas, ça joue chaud. Ça, c'est sûr. Oui, oh oui, superbe phase passée dans le dos. Dommage, il n'a pas comboté derrière. Ouh là là, le saut B qui a touché. Et la dive qui peut faire cross-up. Hein. Pourquoi pas. Tiens, donc c'est bien Insta qui a gagné le premier match, hein. On est sûr. Hein. Alors il faut savoir qu'en fait les joueurs ne jouent pas sur la scène, donc et comme ils jouent le même perso, c'est parfois ouais, c'est pas évident de savoir qui est qui. Avec Marie-Ange Nardi, bien joué. Oh, réaction de Justin Wong. Voilà, je pense qu'il... Justin Wong a la réaction, il a le bionique, on voit l'expérience des jeux de combat du genre américain qui s'est dit, on m'a donné Ryu avec tous les pouvoirs et pour l'instant ça se passe plutôt bien. En fait, si vous voulez, Breakers avec Sho, c'est un peu Son Goku en Saiyan 8 et ça se voit tout de suite. Voilà, flash qui complètement en Breakers, en mode Breakers, voilà, dans la boule. Insta qui recule pour l'instant avec le dive pressing de Insta derrière. Ouah, Justin Wong, on peut pas punir comme ça. Insta qui est complètement bourré pour mettre la super avec le Mitsi. Ça c'est dans la garde, Justin Wong qui voit tous les casse-gardes et le flame kick de magnifique Justin qui revient pour l'instant pour revenir à un match partout. Pour empêcher une finale 100% France, 100% du terroir et le stopper avec le super derrière et instinct à un match de se qualifier pour la grande finale de tuer Justin Wong et Justin Wong en difficulté pour l'instant contre les chauds français. Bah, il joue depuis un peu plus longtemps, hein. Il faut quand même le reconnaître. Voilà, pour l'instant, Justin Wong, j'essaie qu'il trouve le combo. Voilà, regardons, et oui, on peut faire. Il a pris. Boule super, voilà. C'est pas un problème. Ça enlève pas trop, mais ça emmène dans le coin, et après tu peux presser. Exactement. Bah oui, la première l'autre, il a fait gros points. Ah ouais, envoyer un peu les points, comme ça. Il a fait gros points, et ça fait plus mal que le combo avec la super. Ça veut rien dire. C'est aussi ça la logique de Breakers. Faut savoir aussi, il n'y a pas de combo au sol. Hein. Normalement, tu peux bourrer des super dans les combos. Voilà, comme ça. Et ces pressings-là, elles n'existent pas trop. Et je pense que Justin Wong vient de s'en rendre compte. Et ça peut être une information. Alors, faut qu'il arrive à le tuer ce round-là. Parce que pendant que la formation n'est pas très bien montée au cerveau,
Ouh là là, attention, ça va être chaud. Ouah, c'est chaud. Bah, c'est alors, chaud qui perd. Pour information, quelques infos sur Breakers. Vous avez chaque perso des coups qu'on appelle des Breakers, qui vous permettent de casser les faux combos des adversaires. Ouais. Il y a des combos qui peuvent pas être cassés, et il y a des combos où vous pouvez mettre des Breakers dans les combos, et donc c'est pour ça que parfois vous voyez des furies au random partir. Je suis pas sûr qu'ils le fassent, en tout cas Justin forcément exprès, mais Instinct il sait quand breaker les combos. Et un autre truc, dans Breakers, si vous attendez longtemps avant de taper, les coups, les prochains coups que vous ferez feront beaucoup plus mal. Donc la camp paye. Wow, je savais même pas, il y a tellement de stuff. Et voilà, pour l'instant, Justin Wong qui reprend alors qu'il était dominé. Oh Justin, wow, c'est trop levé qui voulait rien dire. Avec le dive kick qui fait également cross-up, sinon ça serait trop facile. Oh, oui, oh Justin Wong super qui s'est pris la Dragon Ball. Oula, avec. J'ai rien compris à ce qui vient de se passer. Yeah, bon, c'est bon, pour l'instant, et voilà, Instinct qui continue là de presser. Oh, oui. Son gros pied. Sauvé, sauvé, dive kick, dive kick, combo. Fury, tu l'as fallu. Aïe Instinct qui a raté la super. Dommage Burel, là il était tellement bien s'il lui avait mis. Oh, ça whiff en plus, il prend une super dans le vent. Allez c'est bon, il a mis les flammes kick là. Aïe aïe aïe, gros sub de dive kick. Il est dans le coin, sauvé en gambit. T'es obligé de kiffer ça. Sinon tu te fais presser à l'infini. Il en fait trop, il prend des. Justin il s'en fout, hein. Il claque les fous. Oh là là, ouais, et oui, vous pouvez faire son light kick super, en confirme. Hein. Le light kick qui fait également cross up. Hein. Oh ouais, là il est en train de craquer son slip là. Justico, reste avec nous. Voilà, merci. Regarde la barre, t'as vu. Ça fait plus mal que super. C'est ça. Ah là là, il presse, babé, mais ça mène à rien. Il le sait. Oh là là, il est obligé de s'épuiser son soin avec la super. Oh là là, ça va tuer ça. Ah non, Justico. Voilà, Justico. Et il sait pas que ça gratte pas, les super grattent pas. Ouais, les super, on peut pas tuer en gratte avec des super dans ce jeu bien fait. Et pourtant, Justin Wong. Il a gagné Justin Wong. L'Américain revient pour affronter Abdes, mais entre temps, il a fait deux matchs de plus. C'est pour son total à 10 matchs. Voilà, et il a appris quelques trucs. Quelques trucs qui ont servi à Instinct sur ses adversaires arrivés jusqu'à ce niveau-là et qui, du coup, bah, se viennent de se transmettre à Justin Wong.